Bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez tous bien. Une petite vidéo pour la correction des exercices sur les transformations chimiques que vous aviez à faire. Donc d'abord les exercices de la feuille sans le dernier exercice et ensuite les exercices du livre. Il faut absolument savoir pour une transformation chimique repérer les réactifs de la réaction, les produits de la réaction, savoir écrire une équation de réaction et l'ajuster évidemment avec les coefficients. C'est vraiment la base de la chimie, de savoir écrire une équation de réaction. Alors, un premier exercice sur la combustion du magnésium. Donc, un premier document avec des tests pour reconnaître des gaz. Donc, on vous donne les tests et le résultat que vous devez avoir si le test est positif. Et ensuite, un document 2 qui est un extrait de carnet de TP où l'élève explique ce qu'il a fait. Donc, il a suspendu 2 grammes d'un ruban de magnésium. Ensuite, il l'a mis au couvercle d'un flacon à combustion. Alors, par exemple, vous allez voir un pot de yaourt hein, ça, avec un couvercle, ça peut servir. Ensuite, on chauffe le magnésium avec un bec électrique, par exemple, et on l'introduit dans le flacon de combustion rempli d'air. Attention, ce flacon a un volume de 1 litre et est rempli d'air, mais l'air, c'est quoi? C'est 80% de diazote N2 et 20% de dioxygène. On constate alors que le magnésium brûle de manière très vive. Je vais vous montrer une petite vidéo. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dégage beaucoup d'énergie. Et on voit apparaître des fumées blanches. Alors c'est quoi ces fumées blanches? Si c'est de la fumée, c'est que ce sont des particules solides, ici des poussières d'oxyde de magnésium de formule MgO. Ensuite, quand la transformation est terminée, donc à la fin, on s'aperçoit que tout le magnésium a disparu. Et autre information, et non des moindres, le diazote n'intervient pas au cours de cette transformation. Donc il est là, bien sûr, dans l'air, mais il n'interviendra pas. Autre chose, on vous dit que pour identifier les espèces chimiques présentes à la fin de la transformation, donc pour savoir qu'est-ce qu'on a, on introduit une bûchette incandescente dans le flacon et l'incandescence est ravivée. Alors là, ça doit vous, si vous avez bien lu le document 1 au départ, ça doit vous mettre la puce à l'oreille hein, parce que test à la bûchette incandescente, introduire une bûchette incandescente dans le gaz. Si l'incandescence est ravivée, alors on a présence de dioxygène. Donc ça veut dire que ce test-là met en évidence la présence de dioxygène. Alors on y va pour les questions. Combien de transformations chimiques sont décrites dans le carnet de TP? Alors, il semblerait qu'il y ait 2 transformations chimiques parce qu'il y a cette transformation chimique-là où on a le magnésium qui brûle dans le dioxygène, en fait, puisque le diazote, on vous dit, n'intervient pas, pour donner de l'oxyde de magnésium. Donc, magnésium plus dioxygène donnerait de l'oxyde de magnésium. Et la deuxième transformation, ça serait là où on met une bûchette incandescente dans le flacon. L'incandescence est ravivée, ça veut dire que la combustion reprend. Donc, c'est une transformation chimique. Donc, il y aurait 2 transformations chimiques. Le rôle, par contre, de ces transformations, on vous demande de dire qui est l'expérience centrale et qui est le test de détection. Il semblerait bien que le test, ce soit celui-là, évidemment. Désolé encore pour l'écriture à la souris. Et l'expérience centrale, ce serait évidemment cette expérience-là. Donc, avec le magnésium qui brûle, dont on fait la combustion dans le dioxygène de l'air que vous avez dans le bocal. Alors, juste, je vais vous montrer la vidéo de la réaction et puis ensuite, on répondra à la suite des questions. Donc, je vous montre. Merci à Sillage pour cette vidéo. Donc là, vous avez un bec électrique sur lequel on fait chauffer le ruban de magnésium. Et dans ce pot de yaourt, on a un récipient rempli d'oxygène. Alors nous, c'est de l'air, mais en fait, c'est de l'air, je pense, parce que c'est assez facile de remplir d'air. On va prendre le ruban de magnésium et on va le plonger dans l'air ou le dioxygène. Alors, ça sera encore mieux avec du dioxygène, évidemment. Donc, attention les yeux. Ça va très vite. Et voilà, vous voyez, ça fait énormément de lumière, donc un très gros dégagement. Et vous voyez que sur les parois, ça devient blanc. Voilà, ça s'opacifie. Et ça, c'est l'oxyde de magnésium que vous avez sur les parois. Donc voilà la réaction. Elle est très rapide, elle est évidemment très... Elle dégage beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, au niveau de la suite des questions, alors on vous demande, complétez le tableau, utilisez les lettres X et Y pour désigner des quantités que vous ne connaissez pas. Donc si on connaît les quantités, on les met, si on ne sait pas, on met X ou Y.
Alors, on vous demande, attention, on lit les listes des espèces présentes, leur nom et leur formule brute. Bon, leur formule, hein. Leur quantité dans l'état initial. L'état initial, c'est au départ. Et la quantité dans l'état final, c'est-à-dire à la fin, quoi. D'accord? À la fin de la transformation. Alors, on y va pour la liste. Alors, moi, je vais les mettre évidemment dans un certain ordre. Vous n'avez peut-être pas mis dans cet ordre-là, mais ce n'est pas grave. On commence avec le magnésium. Alors, formule brute Mg et magnésium. Bon, moi, je n'écris pas tout hein, parce que à la souris, c'est vraiment pas facile d'écrire. Ensuite, y a l'air. Et l'air, c'est quoi? C'est dioxygène plus diazote. Donc, moi, je vais mettre dioxygène. Si c'est dioxygène, ça veut dire O2. Donc, vous écrivez aussi dioxygène. Ensuite, on a le diazote. Diazote, N2, évidemment, parce qu'il y a deux atomes d'azote. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a MgO, oxyde de magnésium. Donc, oxyde de magnésium. Et sa formule brute, MgEO. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? A priori, on est bon. Hein. Le magnésium, le dioxygène, le diazote, ça donne de l'oxyde de magnésium. On nous parle évidemment de rien d'autre, sachant que ce qui nous intéresse, c'est évidemment cette réaction-là. Le test ici ne nous intéresse pas. Enfin, il nous montre hein, qu'on a formation de dioxygène, enfin, qu'il y a toujours du dioxygène à la fin plutôt. Mais par contre, il n'y a rien d'autre hein, qui se produit. Alors, donc ici, il n'y aura rien. Alors, quantité dans l'état initial. Alors, pour le magnésium, est-ce qu'on sait quelque chose? Alors, on sait qu'on en suspend 2 grammes. Donc, je vais avoir 2 grammes au départ. Est-ce que je connais la quantité à l'état final? On nous dit, à l'état final, le magnésium a complètement disparu. Donc, il m'en reste 0 gramme. Pour le dioxygène, alors quantité, on ne nous dit pas si c'est une masse, un volume ou quoi, hein, d'accord? Alors, on sait qu'on a un flacon de 1 litre d'air et que dans ce 1 litre d'air, j'ai 20% de dioxygène. Et 20% de dioxygène, 20% de 1 litre, ça fait 0,20 litres. Donc la quantité initiale de dioxygène, c'est 0,20 litres. La quantité à l'état final, il nous en reste, hein, puisque avec le test à la bûchette incandescente, on voit qu'il reste du dioxygène, mais par contre, on ne sait pas combien il en reste sur les 0,20 litres, donc on va noter X. Ensuite, pour le diazote, le diazote, il y en a 80% dans l'air. Donc, il y en aura 80% de 1 litre. Et 80% de 1 litre, on est à 0,80 litres. À la fin, combien va-t-il en rester? On nous dit que le diazote n'intervient pas au cours de la transformation. Donc, ça veut dire qu'il en restera autant que ce qu'on avait au départ, 0,80 litres. Alors, pour l'oxyde de magnésium, au départ, il n'y en a pas, puisqu'il se forme au cours de la transformation. Donc, on est à 0 g. Et à la fin, alors, on nous dit qu'on a de l'oxyde de magnésium hein, sous forme de poussière, mais on ne sait pas combien. Donc, Y, point d'interrogation, on ne sait pas combien on en a exactement. Alors, à partir de là, donc on a l'état initial, on a l'état final. Et on nous demande, dans le tableau, entouré en rouge les formules des produits, en bleu celles des réactifs, en vert celles des spectateurs, s'il y en a. Alors, on va commencer par les réactifs de la réaction, donc en bleu. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Donc, on va commencer par les réactifs. Les réactifs, c'est des espèces chimiques qui réagissent ensemble dans l'état initial. Alors ici, il y a quoi comme réactif? Il y a le magnésium qui réagit avec le dioxyde de carbone. Ça, ce sont les réactifs qui vont réagir ensemble. Ensuite, les produits. Alors, les produits, c'est les nouvelles espèces chimiques qui sont formées par la réaction chimique. Donc ici, c'est l'oxyde, j'entoure la formule brute, l'oxyde de magnésium, ce sera notre produit. Et les spectateurs, ici, est-ce qu'il y a des spectateurs? Les espèces spectatrices, c'est celles qui sont là, elles sont dans le milieu, mais elles n'interviennent pas dans la réaction et donc dans l'équation de la réaction. Donc ici, les spectateurs, ce sera, il n'y en aura qu'un, le diazote. Le diazote, il est là, mais il n'intervient pas dans l'équation de la réaction et dans la réaction chimique. Alors, à partir de là, on vous demande d'écrire l'équation de la réaction
associés à cette transformation et de ne pas oublier de préciser l'état physique des espèces mises en jeu et d'ajuster l'équation pour que les lois de conservation des éléments et de la charge électrique soient vérifiées. Alors, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça les lois de conservation des éléments chimiques. On va voir comment on fait. Alors, c'est quoi la méthode pour équilibrer, pour écrire une équation de réaction. Bah déjà, on commence par écrire à gauche les réactifs. Alors, ils sont entourés en bleu. On a le magnésium qui va réagir, donc on met un plus, avec le dioxygène. Voilà. Ensuite, on met une flèche et on écrit à droite les produits. Les produits, c'est oxyde de magnésium, donc Mg et O. Voilà, première étape, c'est ça. Alors, on peut mettre directement les états physiques si on les connaît. Le magnésium, on nous dit que c'est un solide. Le dioxygène, bah, vous savez bien, c'est un gaz. Et l'oxyde de magnésium, on nous dit que c'est des poussières, donc c'est solide. On voit, ça opacifie les parois du pot de confiture, etc., etc. Alors, à partir de là, il faut respecter les lois de conservation. Alors, on va noter... Alors ça, c'est ce qu'on ferait sur sa feuille de brouillon. Les éléments chimiques, combien j'en ai à gauche, combien j'en ai à droite. Alors, pour le magnésium, j'en ai pour l'instant un seul. D'accord ? Il est là. Pour l'oxygène, attention, j'en ai deux à cause du 2 qui est ici. Donc, oxygène égale 2 dans les réactifs. Au niveau des produits, on a combien de magnésium ? Bah, Mg, il n'y a rien ici. Donc, c'est comme si vous aviez un 1. Donc, il y a un atome de magnésium. Et oxygène, il n'y a rien là, donc c'est comme s'il y avait un 1, il y a un oxygène. Alors ça ne va pas, pourquoi ça ne va pas? Parce que magnésium, c'est bon, il y en a autant des deux côtés, mais l'oxygène ici, il y en a deux, et ici, il y en a un. Donc il m'en manque un. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire en sorte, on va se demander par quel coefficient on va multiplier une des espèces chimiques pour pouvoir avoir le bon nombre d'oxygène. Alors attention, très important, vous n'avez pas le droit de modifier les formules chimiques des espèces chimiques qui interviennent. Ça veut dire qu'on ne va pas rajouter un 2 ici, par exemple. Ça changerait la formule, ce serait MgO2, et ce n'est pas ça, l'oxyde de magnésium. L'oxyde de magnésium, c'est MgO. Donc, la seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de mettre des coefficients devant les espèces chimiques, que ce soit les réactifs ou les produits. Donc ici, c'est dans les produits qui nous manquent de l'oxygène. On en a deux à gauche, il nous en faut deux à droite. Donc, comment, par quoi multiplier ici le 1 pour avoir 2 ? Bah, par 2. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait mettre un coefficient devant MgO, 1, 2. Mais alors, le problème, c'est que du coup, attention, le nombre de magnésium, c'est plus le bon. Maintenant, le magnésium, il y en a, puisqu'on prend 2 MgO, bah, il y a 2 Mg. Il y a 2 O et il y a 2 Mg. Donc, attention à chaque fois, hein, le 2, il est pour toute l'espèce chimique, évidemment. Donc, ça veut dire que le magnésium, maintenant, j'en ai 2 dans les produits. Donc, pour l'oxygène, on est bon, 2 et 2. Maintenant, pour le magnésium, attention, j'en ai qu'un dans les réactifs. Donc, là encore, je me demande, il faut que j'en ai 2. Le magnésium, il est là. Par combien je vais devoir multiplier 1 pour avoir 2 ? Ma part, 2. Donc, le coefficient que je vais devant mettre devant le magnésium sera un 2. Et donc au final, ça marche. On a 2 Mg, 2 O. Donc là, l'équation est dite équilibrée. On dit qu'on a ajusté les coefficients stoichiométriques, donc c'est les coefficients qui sont devant les espèces chimiques. On les a ajustés pour avoir conservation des éléments chimiques. Ici, il n'y a pas de charge électrique, il n'y a ni plus ni moins, donc il n'y a pas à s'en préoccuper. Donc, attention à toujours avoir ça en tête. Hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si j'ai un nombre d'atomes d'un élément chimique à gauche, je dois les retrouver à droite. Il n'y a aucune raison que des atomes aient disparu ou soient apparus comme ça, comme par magie. Ça, c'est pas possible. Dernière question. Alors, évidemment, ça, c'est au brouillon. Hein. Vous écrivez, vous, ensuite, correctement le résultat. Qui est le réactif limitant? Alors, c'est quoi le réactif limitant? Ben, c'est le réactif qui va être complètement consommé à la fin de la réaction et qui va faire que la réaction s'arrête. Parce qu'effectivement, cette réaction, elle va avoir lieu
tant que j'ai du magnésium et tant que j'ai du dioxygène. Si j'ai plus un des deux, bah ça s'arrête. Si vous n'avez plus un des deux réactifs, si par exemple je n'ai plus de dioxygène, bah la réaction s'arrête puisque le magnésium n'a plus rien pour réagir avec lui. Donc ici, c'est qui le réactif limitant? Bah on va regarder qui c'est qui est consommé complètement à la fin. Bah c'est le magnésium et il nous reste du dioxygène. Donc le réactif limitant ici, c'est Mg. Il est totalement consommé à la fin de la réaction chimique. Voilà. Donc voilà un exemple d'exercice hein, où il faut analyser un petit peu, où vous avez une équation à écrire, donc tout à fait caractéristique de ce qu'il faut savoir faire. Alors je vous montre quand même la correction en plus jolie, que vous pouvez mettre pause pour bien reprendre tout ça. Par contre, ça, c'est pas au bon endroit, je remets. Voilà. Donc, hop, je remets au départ. Donc voilà pour expérience centrale, test de détection. Ensuite, la réponse aux questions qui suivent. Donc vous pouvez mettre pause. Et voilà pour l'équation de la réaction. Et la dernière question. On continue avec l'exercice numéro 2. Alors l'exercice numéro 2, on vous présente l'état initial d'une transformation représentée avec des modèles moléculaires et l'état final avec, pareil, des modèles moléculaires. Je rappelle que les boules rouges, c'est des oxygènes, les boules noires, des carbones, les boules blanches, des hydrogènes. D'accord ? Donc, on vous dit, ces schémas modélisent à l'échelle moléculaire une transformation chimique entre des gaz. Quelles sont les formules des réactifs et celles des produits ? Alors, on va regarder dans l'état initial, qu'est-ce qu'on a comme molécule ? Ben, on a O et O. Donc ça, c'est quoi comme molécule? C'est la molécule de dioxygène. On la retrouve ici, hein, donc ici et là. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un carbone et 1, 2, 3, 4 hydrogènes. Donc ça, c'est la molécule CH4, c'est la molécule de méthane qu'on a déjà vue. Donc les réactifs, c'est E. Ensuite, au niveau des produits. Donc au niveau des produits, on a qui? Alors on a ici un O et 2H et ici aussi. Donc ces molécules-là représentent 2H, un oxygène, des molécules d'eau. Et ici on a un carbone, un oxygène. Donc on a CO2, donc la molécule de dioxyde de carbone. Donc ça, ce sont les produits. D'accord ? Alors, on vous demande d'écrire l'équation de la réaction associée à cette transformation et de ne pas oublier de préciser l'état physique des espèces mises en jeu et d'ajuster l'équation comme tout à l'heure, de telle manière que ça fonctionne. Alors, on va le faire. Donc, je vais dessiner un petit carré pour qu'on puisse écrire dessus. Alors, on y va. On a comme réactif, donc je vais juste changer de couleur. Donc on a comme réactif CH4 plus O2. Voilà. Et ça nous donne dans l'état final H2O et CO2. Donc H2O plus CO2. Alors toujours la même méthode sur son brouillon. Dans les réactifs, on a carbone, hydrogène, oxygène comme élément chimique. Carbone, ici, j'en ai un seul. C'est comme s'il y avait un 1 ici. Hydrogène, j'en ai 4, à cause du 4 ici. Et l'oxygène, j'en ai 2. Voilà. Dans les produits, alors carbone, je les mets dans le même ordre. J'en ai un seul. Hydrogène, j'en ai 2 ici, plus rien, donc 2. Et oxygène, j'en ai 1 ici, attention, plus 2 ici. Donc ça fait 2 plus 1 égale 3. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Bah alors, les carbones, c'est bon. Mais les hydrogènes, ça ne va pas. Et les oxygènes, ça ne va pas. Alors, ce qu'il faut équilibrer en premier dans ce type de réaction de combustion, c'est les éléments chimiques qui n'interviennent que dans une seule molécule. Donc, il y a qui ? Il y a le carbone qui intervient que ici et là. L'hydrogène qui intervient que ici
est là. Et on va finir par l'oxygène. Pourquoi? Parce que l'oxygène, il est dans la molécule d'eau et dans la molécule de dioxyde de carbone. Donc, on va commencer. Le carbone, on est bon. L'hydrogène, on n'est pas bon. Alors, on n'est pas bon. Pourquoi? Parce que dans les réactifs, j'en ai 4, alors que dans les produits, j'en ai 2. Donc, par combien multiplier la molécule d'eau pour que, au final, j'en ai 4? Évidemment, il faut multiplier par 2. 2 fois 2, 4. Donc, si je multiplie ici par 2, ça veut dire que je prends 2 fois la molécule d'eau en entier. Et donc, j'ai 2 fois 2, 4 hydrogènes. Donc là, on est bon. Donc, pour carbone, pour hydrogène, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le dioxygène? Alors ici, le dioxygène, j'en ai 3. Donc, sauf que, j'en ai plus 3 maintenant. Combien j'en ai? Alors, on regarde. On a multiplié la molécule d'eau par 2. Donc, ça veut dire que j'ai 2 oxygènes maintenant, plus 2 ici. Donc, ça nous fait 2 plus 2, 4. Et de l'autre côté, j'en ai que 2. Donc, par combien multiplier le 2, c'est-à-dire ici la molécule de dioxygène, pour avoir 4? Ici, il faut multiplier par 2. Donc, ça veut dire que je multiplie la molécule de dioxygène ici par 2. Et là, on vérifie. Carbone, on est bon. Hydrogène, on est bon. Oxygène, on est bon. Donc, tous les éléments se conservent. Et donc, du coup, ça nous donne quoi au final? CH4 gazeux plus 2 dioxygènes gazeux donne 2 molécules d'eau. Alors, si on est à haute température, c'est de la vapeur d'eau gazeuse. Et du dioxyde de carbone, un dioxyde de carbone gazeux. Et voilà l'équation de la réaction équilibrée, ajustée avec les coefficients qu'il faut. Alors, je vais enlever tout ça. Voilà, donc un petit hop, et voilà, on est bon. Ensuite, quel phénomène de la vie quotidienne est décrit par cette réaction chimique? C'est en fait la combustion du méthane. Alors, je vous montre ce que ça donne. S'il veut bien, voilà. Alors, regardez l'animation. Si ça se lance, je ne sais pas. Est-ce que ça va se lancer ou pas? Là est la question. Voilà. Donc, vous avez les deux molécules de dioxygène qui rencontrent une molécule de méthane pour donner de l'eau et du dioxyde de carbone. Donc, c'est ça qui se passe en vrai. Il y a des chocs entre les molécules. Au moment des chocs, il y a de l'énergie qui est libérée et il y a transformation chimique. Donc, c'est quoi ce qui se passe dans la vie quotidienne, le phénomène? C'est en fait la combustion du gaz de ville. C'est-à-dire vous faites la combustion du gaz de ville pour obtenir de l'eau et du CO2. Mais surtout, quand vous faites la combustion du gaz de ville, c'est pour avoir de l'énergie. Et si on met une étincelle, on a de l'énergie. Donc, du coup, ça peut permettre de chauffer, etc., etc. Voilà. Donc, j'espère que ce deuxième exercice a été suffisamment clair. On continue avec l'exercice numéro 3. Alors là, c'était on équilibre des équations chimiques, d'accord? Donc, on va le faire exactement toujours avec la même méthode à utiliser. Donc, on y va. Alors, la première, c'est N2 plus H2 donne N2H4. Donc, toujours la même méthode. Donc, on va mettre à gauche les réactifs et combien il y a d'éléments, et à droite, les produits. Alors ici, j'ai de l'azote et j'ai de l'hydrogène. C'est tout ce que j'ai comme élément chimique. Ici, azote, hydrogène. Alors oui, quelque chose qui est évident, mais attention, vous ne pouvez pas avoir des éléments chimiques présents à gauche qui ne sont pas présents à droite. C'est pas possible. D'accord? Vous avez forcément les mêmes éléments chimiques à gauche et à droite. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Donc on y va. Ici, on a 2 azotes à cause du 2 ici et on a 2 hydrogènes ici à cause du 2. Dans les produits, on a 2 azotes ici et 4 hydrogènes. Donc là, on voit bien que c'est au niveau de l'hydrogène que ça ne va pas. On en a 4 à droite et 2 à gauche. Donc du coup, on se demande par quoi on va multiplier le 2 ici pour avoir 4. Donc par quoi on va multiplier cette molécule ici? Donc évidemment, c'est 2 fois 2, 4. Donc on met le coefficient stoichiométrique 2 ici. Au final, ça marche bien. 2 et 2 pour l'azote, 4 et 4 pour l'hydrogène. On continue. Alors, deuxième équation. Hop, je déplace par là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On y va.
Donc, alors c'est une réaction de combustion encore, hein, dioxygène, vous le voyez ici, qui donne de l'eau et du CO2. Alors on a du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène dans toutes les combustions. Pareil, de ce côté, carbone, hydrogène et oxygène. Alors le carbone dans les réactifs, j'en ai deux. L'hydrogène, j'en ai 6. L'oxygène, j'en ai 2. Dans les produits, j'en ai 1 ici. H, j'en ai 2 ici. Et l'oxygène, attention, j'en ai 1 ici et 2 ici. Donc ça m'en fait 3. OK? Alors, comme je vous l'ai dit, on commence par carbone, hydrogène, ensuite oxygène. Alors, par combien on regarde si on a les carbones qui sont équilibrés? Alors, il se trouve qu'on en a 2 ici et 1 ici, donc ça ne va pas. Par quel coefficient multiplier le CO2 pour réussir à en avoir autant qu'à gauche, c'est-à-dire 2? Ben, il faut multiplier par 2. Mais alors attention, ici j'ai multiplié tout CO2 par 2, donc ça fait 2C et ça fait 2, mais il y en a 2 déjà, donc ça fait 2 fois 2, 4 oxygènes. Donc au final, les oxygènes, j'en ai 4 plus 1, là j'en ai maintenant 5. OK? Ensuite, pour les hydrogènes, j'en ai 6 ici et j'en ai 2 ici. Donc par combien multiplier ici la molécule d'eau pour en avoir 6? Bah, faut multiplier par 3. Donc du coup, hop. Mais alors, là encore, attention pour l'oxygène, j'ai 3 fois la molécule d'eau, donc ça fait 6 hydrogènes, mais aussi 3 oxygènes. Donc au final, ça fait combien d'oxygène? Ça fait 3 plus 2 fois 2, 4. Donc ça fait 7 oxygènes. D'accord? Donc carbone, c'est bon. Hydrogène, on est bon. Oxygène, ça ne va pas. Par combien il faut que je multiplie le 2 ici pour avoir 7? Alors c'est là où ça pose un petit peu problème, c'est qu'il n'y a pas de nombre entier. Deux fois un nombre entier qui donne 7, ça n'existe pas. C'est deux fois quoi? Bah, c'est deux fois une fraction. Deux fois 7 demi. Deux fois 7 demi, ça fait 7. Donc ça voudrait dire qu'au niveau de l'oxygène, il faudrait multiplier par 7 demi. Alors ça, par convention, on l'accepte pas, c'est-à-dire qu'on ne met pas de coefficient fractionnaire dans les équations chimiques. Donc en fait, c'est quoi la technique? Bah, pour avoir des nombres entiers, bah, on... Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Donc pour avoir des nombres entiers, on va multiplier toute l'équation par 2. Et alors au final, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc attention, ça va donner 2 fois ces 2H6. 2 fois 7 demi, bah, ça fait 7. D'accord? 2 fois 3, ça fait 6. Et 2 fois 2, ça fait 4. Voilà l'équation finale. Alors, évidemment, hein, c'est plus joli quand c'est équilibré correctement. Donc, ça fait 2C2H6 plus 7O2 donne 6H2O plus 4. CO2 si vous l'écrivez correctement. Hop, on efface tout. Et voilà. Alors, on continue. Donc on a CuO plus H plus donne Cu2 plus H2O. Alors, on fait toujours pareil. Hop. On a, alors ici on a quoi? On a du cuivre, Cu, on a de l'oxygène et on a de l'hydrogène. De l'autre côté, évidemment, on vérifie, mais on a les mêmes éléments chimiques, Cu, O et H. Alors, on verra les charges après, hein, à la fin, ce que ça nous donne. Alors, Cu, ici j'en ai un. Ici j'en ai un. Attention, le 2 plus, c'est la charge, ça n'est pas le nombre d'éléments, d'accord? Là, c'est comme si on avait un 1. Donc du coup, il n'y a qu'un cuivre. Ensuite, pour l'oxygène, ici j'en ai un, ici j'en ai un. Pour l'hydrogène, ici j'en ai un. Attention, encore une fois, le plus c'est la charge, hein, donc c'est comme si on avait un 1 ici. Et ici j'en ai 2. D'accord? Donc pour Cu c'est bon, pour O c'est bon, et c'est pour H que c'est pas bon. Alors, on s'occupe des éléments chimiques avant de s'occuper des charges, hein, d'accord? Donc, par combien il va falloir que je multiplie H pour avoir 2, c'est-à-dire par combien il va falloir que je multiplie H plus pour avoir 2 ici? Bah évidemment, 1 fois 2 égale 2. Donc je multiplie ici
par deux. Donc au niveau des éléments chimiques, on est bon. Maintenant, on regarde pour les charges. Est-ce que les charges, ça marche? Alors, combien de charges? À gauche, on a 2 fois H+, et H+, c'est une fois plus. Donc ça va nous faire 2 charges de plus de ce côté-là. Ici, bah, j'ai 2 charges de plus, et là, il n'y a rien. Donc du coup, j'ai 2 charges de plus à droite. Donc au final, j'ai conservation des éléments chimiques, mais également conservation des charges. Donc, pas de souci. On continue. Alors, encore une fois, j'efface tout. C'est parti. Alors, je décale. Voilà. Donc, équation suivante. Alors, c'est la réaction. C'est une réaction entre de l'eau, du dioxyde de carbone. Ça, c'est du saccharose C12H22O11 et du dioxygène. Alors, on a l'impression que c'est la réaction inverse de la réaction de combustion. Alors, c'est le cas. Alors, on y va. On fait toujours pareil. Donc, on a du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Pareil, carbone, hydrogène, oxygène. Alors, on commence pareil hein, par carbone et hydrogène parce qu'ils sont dans une seule molécule. Carbone, il est là et là. H, il est là et là. Dans les produits et dans les réactifs, il est dans une seule molécule. L'oxygène, il est partout. Alors, le carbone, ici, on en a un. Ici, on en a 12. D'accord. Hydrogène, ici j'en ai 2. Ici j'en ai 22. L'oxygène, ici j'en ai 1 plus 2. Donc j'en ai 3. Ici j'en ai 11 plus 2. Donc j'en ai 13. Alors on y va. Qu'est-ce qui ne va pas? Bah, y a tout qui ne va pas. Alors on commence par le carbone. Alors, le carbone, il y en a 1 et là, il y en a 12. Donc, par combien multiplier CO2 ici pour en avoir 12? Bah, évidemment, multiplier par 12. Donc, ça veut dire qu'il va falloir mettre un 12 devant CO2 ici. Alors, attention, ça a modifié les oxygènes. Ça fait 12 fois 2, donc 24 plus 1, 25. Donc, on est à 25 oxygènes. Ensuite, pour l'hydrogène, on en a 2 là et 22 ici. Bon, évidemment, ça ne va pas du côté des réactifs. Par combien multiplier pour en avoir 22? Bah, c'est 2 fois 11. Donc ici, on va multiplier par 11 pour avoir la même chose au niveau des hydrogènes. Mais alors du coup, ça fait 11 fois 2 hydrogènes, 22, mais aussi 11 oxygènes en plus. Donc ça fait 11 plus 12 fois 2, 24. Donc ça nous fait 35, si je sais bien compter. Hop. Et de l'autre côté, on en a 13. Alors, c'est là où, évidemment, ça ne va pas. Donc, il faut se demander par combien on va multiplier le O2 pour réussir à avoir 35. Mais alors là, attention, on va faire un petit peu différemment. Le O, c'est 11 plus 2 fois quelque chose, le coefficient qu'on va mettre ici. Ça doit être égal à 35. D'accord? Donc, je vais l'appeler x, tiens. On va faire un peu de maths. Donc, du coup, combien vaut x? Bah, x, ça vaudrait 35 moins 11 divisé par 2. 35 moins 11, on est à, si je ne m'abuse, 24 divisé par 2, on arrive à 12. Donc du coup, ça veut dire qu'il faudrait multiplier le dioxygène ici par 12 pour arriver à avoir le même nombre, donc du coup 35, le même nombre d'oxygène à droite qu'à gauche. Bon, ça c'est assez ardu, hein, c'est une des plus ardues à équilibrer. J'espère que ça va quand même. On continue. Alors, la suivante. Voilà. Alors, le méthane qui réagit avec du dichlore pour donner du carbone et du chlorure d'hydrogène. Alors, à force, hein, la méthode, j'espère qu'elle rentre. Donc, on écrit les éléments à gauche. Alors, on a du carbone, on a, attention, de l'hydrogène et on a du chlore, c'est Cl. De l'autre côté, on doit avoir la même chose. On vérifie carbone, hydrogène et chlore. On est bon. Alors, on y va. Pour le carbone, à gauche, on en a un dans les réactifs. On en a un à droite. Ouf, on n'a rien à faire.
L'hydrogène, ici on en a 4. Ici on en a 1. Ah mince, ça ne va pas aller. On va s'en occuper. Et pour le chlore, ici on en a 2. À cause du 2 ici. Ici on en a 1. Bon, ça ne va pas non plus. On va s'en occuper. Alors, on commence avec l'hydrogène, puisque c'est le premier qui n'est qui pas équilibré. On en a 1, on en a 4. Donc, c'est de ce côté-là que ça va se jouer. Par combien on va devoir multiplier cette molécule-là pour réussir à avoir 4? Bah, évidemment, c'est 4 fois 1. Donc, on va multiplier HCl par 4. On va mettre ce coefficient-là. Mais au final, du coup, ça fait 4H et ça fait aussi 4Cl. Donc, au niveau du Cl, on passe à 4. OK? Donc c'est bon pour le carbone, c'est bon pour l'hydrogène, mais c'est plus bon pour le chlore. Ici j'en ai 4, ici j'en ai 2. Donc par combien je vais devoir multiplier cette molécule-là pour avoir 4? Ben, je vais devoir multiplier par 2. Donc du coup, ça nous fait 2Cl2 pour avoir 4. Et voilà, il n'y a pas de charge, donc c'est assez, ça va plus vite. Et donc vous pouvez vérifier, tout est bien équilibré. On continue. Alors, on continue avec, alors je crois que c'est pas la dernière, l'avant-dernière. Donc C2H6O plus O2 donne H2O plus CO2. Alors ça, c'est la combustion du glucose, ça doit vous rappeler quelque chose. Alors, on y va. On a carbone, hydrogène, oxygène. Carbone, hydrogène et oxygène. Donc toujours les mêmes éléments que vous retrouvez dans les combustions. Alors ici, carbone, on en a 2. Ici, carbone, on en a 1. Hydrogène, on en a 6. Ici, on en a 2. Oxygène, on en a 1 plus 2. Donc ça fait 3. Ici, on en a 1 plus 2. Donc ça fait 3. D'accord ? Donc le carbone, ça ne va pas. Le carbone, il y en a 2 à gauche et 1 à droite. Donc par combien multiplier CO2 ici? Pour réussir à avoir 2, il faut multiplier par 2. Donc 2 CO2. Mais du coup, bah, j'ai multiplié tout CO2 par 2. Donc ça me fait 2 fois 2, 4 oxygènes plus 1. Donc du coup, on est à 5 oxygènes. Ensuite, pour les hydrogènes, j'en ai 6 ici et 2 ici. Par combien multiplier la molécule d'eau pour réussir à en avoir 6? Bah évidemment, il faut multiplier par 3. 2 fois 3, 6. Donc ça veut dire que je multiplie ici H2O par 3. Mais attention, du coup, j'ai 2 fois 3, 6H, mais aussi 3O. Donc ça fait 3 plus 2 fois 2, 4. Donc 4 et 3, 7 oxygènes maintenant. Donc carbone c'est bon, hydrogène c'est bon, oxygène. Alors, par combien multiplier O2 ici pour réussir à avoir 7? Alors là, on va faire comme tout à l'heure, parce que le C2H6O, ça nous fait un oxygène ici et deux ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas faire comme ça. Ici, on en avait 3, mais ce 3, c'était 1 plus 2 et ici. Et c'est ce 2 qu'il va falloir multiplier par quelque chose et le tout doit être égal à 7. Donc, 1 plus 2 fois quelque chose égale 7. Donc, ça veut dire que le 2 fois quelque chose doit être égal à 7 moins 1, c'est-à-dire 6. Donc, ça va nous faire quoi? Bah, 3. 1 plus 2 fois 3, 6, ça fait bien 7. Donc, il va falloir multiplier ici par 3. Et au final, on est bon pour tout. Allez, la dernière de cette série. Alors, c'est un bon entraînement, hein. Faut vraiment penser à s'entraîner sur les équations de réaction. Alors là, il y a des charges. Toujours la même méthode, les charges en dernier. Donc, on y va avec, cette fois-ci, on a l'élément zinc, Zn, l'élément H, hydrogène. Et de l'autre côté, les mêmes, hein, Zn et H. Alors, combien d'hydrogène ici? Bah, un seul, hein. Je rappelle que le plus, c'est la charge. Donc, un hydrogène. Combien de zinc? Un seul. Combien de zinc ici? Un seul. Combien de H? Attention, 2. Donc là, c'est au niveau, on ne s'occupe pas des charges pour l'instant, au niveau des éléments hydrogènes que ça va se jouer. On a ici 2 hydrogènes et ici 1. Donc par combien multiplier la molécule, enfin le ion ici H+, pour avoir 2? Bah évidemment, par 2.
donc coefficient 2 ici. Et donc ça marche. Donc pour le zinc, c'est bon. Pour l'hydrogène, c'est bon. Maintenant, il faut vérifier les charges, voir s'il y a quelque chose à faire au niveau des charges. Alors ici, on a 2H+, donc ça fait 2 fois une charge de plus, donc 2 charges de plus rien, donc 2 charges de plus. Et de ce côté, on a 2 charges de plus pas de charge, donc on est à 2 plus. Donc on est bon pour les éléments chimiques et on est bon pour les charges. Donc il y a bien conservation des éléments chimiques et conservation des charges. Donc tout va bien. Voilà pour ces équations et ces exercices qui étaient les exercices de la feuille. Donc au niveau des... Alors, je ne vous l'avais pas montré. Non, mais on est bon. On est bon. On continue avec les exercices du livre après. Bon courage. Alors, on continue avec les exercices du livre. Donc, que vous aviez à faire sur les transformations chimiques. Donc au niveau des exercices du livre, on a... Hop, je remonte un peu les choses. Donc, exploiter une transformation chimique. On vous donne l'état initial d'une transformation et son état final. Entre les deux, il s'est produit une transformation chimique. Alors, on vous demande d'identifier les deux produits formés. Alors, comment on fait ça? Ben, on regarde ce qu'il y a dans l'état initial, ce qu'il y a dans l'état final, et on regarde quelles sont les nouvelles espèces qui n'étaient pas là au départ. Alors, le zinc a... Là, on a Zn de plus, donc c'est l'ion zinc. Donc lui, il n'était pas là au départ. Donc, c'est un produit. H+, H+ restant. Donc ça, ce n'est pas un produit parce qu'il était déjà là dans l'état initial. H2, H2, on ne l'a pas ici. Donc, produit de la réaction, dihydrogène. Cl-, ah, il était déjà là, Cl-. Donc là, on ne nous dit pas restant, rien du tout. Donc lui, bah, il est dans les mêmes quantités, hein, d'après ce qu'on nous écrit, en tout cas, on dirait. Et H2O, l'eau, ici et là, donc pas nouveau, pas non plus de nouveaux produits. Donc les produits sont Zn de plus, donc si, hop, voilà, donc Zn de plus, donc ça ce sera les produits, hop, et H2, d'après notre état final. Ensuite, identifier les réactifs. Alors les réactifs, c'est les espèces qui réagissent ensemble, donc ici, on a quoi? Bah, on voit que on a dans les produits Zn de plus. Qui a permis d'avoir Zn de plus dans les produits? Bah, ça veut dire qu'on a l'élément zinc dans l'état initial, dans les réactifs. Et ici, qui a réagi? Bah, c'est Zn. On ne l'a plus à la fin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a qui réagit aussi? Bah, H+, parce qu'on nous dit H+ restant. Donc ça sous-entend qu'une partie a été consommée. Donc H+, est également un réactif. Cl-, on en a au début, mais on en a aussi à la fin. Donc ce sera... une espèce spectatrice, c'est la dernière question. Et H2O, bah H2O liquide, H2O ici, bah il semblerait bien que ce soit le solvant de la réaction, donc ce n'est pas un réactif ni un produit, il est en quelque sorte spectateur, mais c'est en solution aqueuse que se fait la réaction. Donc du coup, les réactifs, bah ce sera le zinc, Zn, et les ions H+. Alors, on vous demande quel réactif est totalement consommé à la fin de la réaction. Alors, si on regarde, bah on nous dit que Zn, on ne nous en parle plus du tout, donc ça veut dire qu'il n'y en a plus à la fin, alors que H+, on en a au début, et on nous dit H+, restant. Donc, ça sous-entend qu'il en reste et qu'il n'a pas été totalement consommé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que H+, c'est le réactif dit en excès. Pourquoi en excès? Bah parce qu'il en reste à la fin. Donc, qui a totalement été consommé, donc il n'en reste plus, c'est le zinc. Donc, c'est lui, le réactif, totalement consommé. Comment on l'appelle, ce réactif? C'est la question suivante. On l'appelle le réactif limitant. Pourquoi limitant? Parce qu'il limite la réaction chimique. C'est à cause de lui que la réaction chimique s'arrête, puisqu'il n'y en a plus. Donc, on parle de réactif limitant. Dernière question, identifier les deux espèces chimiques spectatrices. Bah, des espèces spectatrices sont des espèces qui n'interviennent pas dans la réaction chimique, mais qui sont présentes. Donc ici, il y a Cl- qui est là au début et à la fin, et H2O. Donc H2O, c'est le solvant, hein, mais c'est aussi une espèce spectatrice. Donc les espèces spectatrices sont là au début, à la fin. Il y en a autant au début, autant à la fin. Donc ça n'interviendra pas dans la réaction chimique, ni du coup dans l'équation de la réaction chimique. Alors vous aurez bien sûr la correction écrite de ces exercices pour que ce soit écrit un peu mieux. Alors ça nous donne ça, hop, c'est pas au bon endroit, voilà.
Voilà la correction écrite correctement. Vous pouvez mettre pause si vous voulez recopier tout ça. On continue. Alors, l'exercice numéro 6. Identifier l'équation d'une réaction. Alors, on y va. Hop. En solution aqueuse, l'ion fer 3 réagit avec les ions hydroxyde HO- pour former un précipité orange d'hydroxyde de fer, FeOH 3 fois. Donc ça, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que ce qui réagit ensemble, c'est ce que j'ai souligné en bleu, ce sont les réactifs, c'est Fe3+ et HO-. Pour former, ça veut dire qu'on va nous donner les produits ensuite, bah pour former de l'hydroxyde de fer, FeOH 3 fois. Alors, dans un tube à essai contenant de 2 ml d'une solution de chlorure de fer 3, donc c'est ça la solution de chlorure de fer 3, Fe3+ plus 3Cl-, on verse quelques gouttes d'hydroxyde de sodium, Na+ plus HO-. Alors, première question, identifier les réactifs et les produits de la réaction. Alors ça, on l'a fait juste en lisant l'énoncé. Hein. Donc les réactifs, c'est Fe3+ et HO-. Pour former quel produit? Bah, FeOH 3 fois. Parmi les équations suivantes, identifier en justifiant l'équation de la réaction correctement ajustée. Alors, on sait que les réactifs, c'est Fe3+ et HO-, pour donner FeOH 3 fois. Dans ce qui réagit ensemble, on a une solution Fe3+ plus 3Cl-. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour Cl-? Bah, Cl-, ça va être un spectateur. Il n'interviendra pas. Et ça va être le cas également pour Na+, qui va être un spectateur, puisque le réactif, c'est HO-. Alors, déjà, quelles sont dans les quatre équations, celles qui ne vont pas aller directement? Alors, on va les regarder. Hop, une par une. Fe3+, plus 3Cl-, plus Na+, plus HO- donne FeOH 3 fois. Pourquoi celle-là, ce n'est pas possible? Bah parce que déjà, il y a des éléments chimiques que vous avez à gauche que vous ne retrouvez pas à droite. Il y a Cl- ici, bah vous ne le retrouvez pas ici. Vous ne trouvez pas d'élément chlore. Na, l'élément sodium, ici Na+, vous ne le retrouvez pas de ce côté-là. Donc déjà, ce n'est même pas la peine d'aller chercher plus loin. Ça ne peut pas marcher. Et en plus, Na+ et Cl- sont des spectateurs. Ils ne vont pas intervenir dans l'équation de la réaction. Ensuite, donc les trois autres, bon, les trois autres, on a bien les réactifs, Fe3+, HO-, dans les trois cas, et on a bien le produit FeOH 3 fois. Donc pour les trois, il va falloir regarder d'un petit peu plus près. Alors il va falloir regarder si l'équation est ajustée ou non. Là, petit b, Fe3+ plus HO- donne FeOH 3 fois. On a un, parce que c'est comme si on avait un fer ici et un fer ici. Donc c'est bon. O, on en a un ici et là, attention, on en a 3, parce que c'est le groupe OH qui est multiplié par 3. Donc déjà, celle-ci, bah, elle ne marche pas, parce qu'on a un O à gauche et 3 O à droite. Donc déjà, celle-là, elle ne marche pas. La suivante. Alors, Fe, on en a 3 à cause du coefficient 3 ici, et ici, on en a un seul. Attention, le 3 ici ne correspond qu'à la parenthèse. Donc déjà, celle-là, c'est pareil, pas besoin d'aller plus loin. Elle ne fonctionne pas. Alors, il faut espérer que la dernière soit la bonne. Fe, j'en ai 1. Ici, j'en ai 1. L'oxygène, attention, j'en ai 3, puisqu'on a 3 fois le groupe HO-, donc 3O. Et ici, 3O. Ça marche. Pour l'hydrogène, bah, 3H, puisqu'on a 3 fois HO-, et on a 3H. Donc, ça marche pour les éléments chimiques. Dernière chose à vérifier, c'est les charges. Alors, au niveau des charges électriques, bah, ici, on a quoi? On a 3+, plus 3HO-. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 fois la charge moins. Donc, 3+, plus 3-, ça s'annule. Et de l'autre côté, bah, on n'a pas de charge. Donc, 0. Donc, ça marche bien. Donc, la bonne équation et la dernière, la petite d. D'accord? Indiquer pourquoi les trois autres équations ne sont pas ajustées, bah, on vient de le faire, il n'y a pas de problème. Identifier les espèces spectatrices, bah, on en a parlé, hein, c'est Cl- et Na+, les deux espèces spectatrices. Alors au niveau d'une correction, si vous voulez faire pause, hein, voilà, pour avoir une correction un petit peu plus rédigée, je dirais. Mais l'explication, c'est le plus important ici.
On continue. Alors, ajuster des équations. Donc ça, on l'a fait déjà dans la fiche d'exercice précédente. Donc on va ajuster des équations. On va commencer par la première. Voilà. Alors, on y va. On va utiliser la méthode hein, qu'on a utilisée depuis le départ. Donc, on prend les éléments chimiques dans les réactifs, on les prend dans les produits et on rajoute des coefficients. Alors ici, on a l'élément magnésium, on a l'élément oxygène et on a l'élément Si, c'est silicium. De l'autre côté, on a les mêmes, heureusement, sinon il y aurait un problème. Donc, O et Si. Alors, on y va. Le magnésium, ici, j'en ai un. Dans les produits, j'en ai un. Oh, il n'y a rien à faire pour l'instant pour le magnésium. Pour l'oxygène, ici, j'en ai un. Ici, j'en ai deux. Ah, il va y avoir un truc à faire. Pour le silicium, ici, j'en ai un. Ici, j'en ai un. Attention, c'est comme s'il y avait un 1 ici. Donc, pour l'instant, c'est bon. Alors, l'oxygène, ça ne marche pas. Alors, il va falloir faire quelque chose pour l'oxygène. On multiplie par un coefficient. Alors, c'est ici qu'il en manque. Donc, on se demande par quoi multiplier ce qui contient l'oxygène, c'est-à-dire MgO, pour arriver à 2. Alors, évidemment, on multiplie par 2. Donc, ça fait 1 fois 2 égale 2. Donc, je vais mettre un 2 devant MgO. Mais du coup, j'ai multiplié O par 2, mais également Mg. Donc, Mg n'est plus égal à 1 ici, mais 2. Du coup, pour le silicium, on est bon. Pour l'oxygène, on est bon. Mais pour le magnésium, il y a quelque chose à faire cette fois-ci de l'autre côté. On a deux magnésium à gauche, mais un magnésium à droite. Donc, on se demande, et là, c'est facile parce que c'est le magnésium tout seul, hein, c'est du métal, le magnésium métallique. Par quoi multiplier le magnésium ici pour avoir 2? C'est évidemment multiplié par 2, donc le coefficient qu'on met devant est un 2. Et là, on ne modifie rien d'autre puisque c'est que le magnésium multiplié par 2. Donc voici l'équation équilibrée. Tout est vérifié, il n'y a pas de charge. On continue. Alors, ah mince, j'aurais pas du tout enlevé, je suis bête. Hop là, voilà. Donc, on continue avec la suivante. Hop. Alors, on fait pareil. Alors, ici, on a l'élément C, on a l'élément H et on a l'élément chlore. Pareil de l'autre côté, C, H et Cl. Alors, pour le carbone, à gauche, dans les réactifs, j'en ai un. L'hydrogène, j'en ai 4. Le chlore, j'en ai 2. À droite, dans les produits, C, j'en ai 1. H, j'en ai 4. Parce qu'on a 4 fois HCl. Et Cl, là, il y en a 4 également. Alors là, il y a déjà un coefficient. Hein. Ils ont déjà mis un coefficient. Donc, on y va. Alors, ça va pour le carbone et l'hydrogène. Par contre, ça ne va pas pour le chlore. Donc, la question est, à gauche, dans les réactifs, il va falloir multiplier ici cette molécule de dichlore par combien pour avoir 4? On va multiplier par 2. 2 fois 2, 4. Donc, si je mets un 2 devant, 2 fois 2, 4, on est bon. Et donc, au final, tout est bon. Carbone, hydrogène, chlore, il n'y a pas de charge. Donc, pas de souci. On continue. Alors, on déplace. Et voilà. Alors, la suivante. On a l'élément plomb. Et l'élément iode. I. Donc, I, c'est l'iode. On n'a que l'iode et le plomb. Et de l'autre côté, pareil. Pb et I. Alors, combien j'en ai à gauche du plomb? J'en ai 1. D'accord? Là, la charge de plus, c'est juste la charge. Là, c'est comme si on avait un 1. D'accord? L'iode, pareil, c'est comme si j'avais un 1 en bas. C'est une charge, ici, le moins. Donc, j'en ai 1. Ici, le plomb, j'en ai 1. Pb, il n'y a rien en indice, donc ça veut dire 1. Et l'iode, par contre, j'en ai 2. Donc, on voit, on commence par les éléments chimiques. Il y a un problème avec l'iode. Il y en a 2 dans les produits et 1 dans les réactifs. Donc, on va rajouter un coef devant I- ici pour avoir 2 iodes. Donc, par combien je dois multiplier le 1 pour avoir 2? Évidemment, je multiplie par un coef 2. Donc, ça me fait 2 I-. Ensuite, on est bon pour les éléments chimiques. Un plomb,
2 iodes. Maintenant, au niveau des charges électriques. Alors, j'ai combien de charges électriques dans les réactifs? J'ai ici 2 plus. Et ici, attention, 2i moins. Donc, ça veut dire 2 fois 1 moins. Donc, 2 plus 2 moins, ça fait 0 comme charge. Et de l'autre côté, bah, PbI2, ça fait également 0. Donc, on est bon également au niveau des charges électriques. Allez, la dernière. Je crois qu'il y en a... Voilà, c'est la dernière. Alors, ici, on a quoi comme élément chimique? On a le zinc et le H. Pareil de l'autre côté. Alors, on a des charges, mais qu'on essaiera d'ajuster à la fin. Combien de zinc dans les réactifs? Un seul. Combien de H? Un seul. Combien de zinc dans les produits? Un seul. Combien de H? Attention, 2. Donc, là, ça ne marche pas pour les H. Donc, il va falloir ajuster les coefficients stoichiométriques. Par combien je dois multiplier H plus ici pour avoir 2 hydrogènes? Bah, évidemment, 2. Donc, du coup, je vais mettre coefficient 2 ici. Donc, ça ne change rien d'autre. Donc, au niveau des éléments, on est bon. Maintenant, il nous reste les charges électriques. Alors, combien j'ai de charges électriques du côté des réactifs? Ici, j'en ai pas, 0. Plus, attention, 2H+, ça me fait 2 charges de plus. Donc, du côté des réactifs, j'ai 2 charges de plus. Du côté des produits, j'ai 2 plus ici, plus rien. Donc, j'ai 2 charges de plus. Donc, on est bon également pour les charges électriques. Donc, ces équations sont équilibrées ici. Alors, ça donnerait, voilà, les équations équilibrées. Bon, sans tout ce que j'ai écrit en dessous, que vous devriez écrire évidemment sur votre brouillon hein, quand vous le faites. Alors, on continue. Là, cette fois-ci, on vous demande de vérifier et de corriger les équations. Donc, le mieux, c'est de les refaire, hein, d'enlever les coefficients et de les refaire, parce que c'est assez compliqué sinon de voir ce qui va pas. Alors, on commence avec la première équation. C2H6O plus O2 donne CO2 plus H2O, donc que j'ai réécrit ici. Et ben, on va l'équilibrer, on va ajuster les coefficients directement et on verra hein, ce qui n'allait pas dans l'autre. Donc, c'est, on a l'élément carbone, l'élément hydrogène et l'élément oxygène. J'ai pas pu mettre la flèche, hein, mais ici, voilà, c'est comme si vous aviez une flèche. De l'autre côté, ben, les mêmes éléments chimiques, heureusement, hein, carbone, hydrogène et oxygène. Alors, combien on a de carbone de ce côté-là? On en a 2, ici. Hydrogène, on en a 6. Oxygène, on en a 2. Ici, carbone, on en a 1. Hydrogène, on en a 2. Oxygène, on en a, attention, 2. Plus 1 ici, on en a 3. Donc, évidemment, donc là, c'est pas équilibré. Donc, on va équilibrer en rajoutant les coefficients. Alors, au niveau du carbone, on commence par le carbone, hein, ensuite l'hydrogène et en dernier l'oxygène, puisque l'oxygène est présent dans les produits dans deux molécules. Donc le carbone ici, il en manque, il en faut 2. Donc par combien multiplier le 1 pour avoir 2? Bah, évidemment, on multiplie par 2. Donc on va multiplier CO2 par 2. Pour le carbone, on est bon. Mais attention, du coup, j'ai multiplié CO2 par 2. Donc ça me fait maintenant 2 fois 2, 4 oxygènes plus 1. On continue. Pour l'hydrogène, alors ça ne marche pas, on en a 2 dans les produits et 6 dans les réactifs. Donc on se demande par combien multiplier ici la molécule d'eau, quel coefficient pour réussir à avoir 6. Ben, on va multiplier par 3. Voilà. Donc du coup, on a bien 6 hydrogènes, mais au final, attention, j'ai 3 molécules d'eau, donc 3 oxygènes plus les 4 que j'avais ici. Donc, ça nous fait 7 oxygènes. Alors, on termine du coup avec l'oxygène. Il y en a 7 à droite et 2 dans les réactifs. Donc, par combien multiplier O2 pour réussir à avoir 7? Alors là, c'est un cas qu'on a déjà rencontré. Ce n'est pas un nombre entier, ce sera une fraction. Ce sera 7 demi. Donc ici, ce sera 7 demi. Mais alors, on en a déjà parlé. On ne peut pas, on n'accepte pas par convention les fractions. Donc,
Il faut multiplier tout pour qu'il n'y ait pas de fraction. Bah, par combien on va multiplier? Par 2. C'est-à-dire que si je multiplie tout ici par 2, qu'est-ce que ça va me donner? Bah, on va avoir 2, c'est 2H6, plus 2 fois 7 demi, 7O2, plus 2 fois 2, 4 CO2, plus 2 fois 3, 6H2O. Donc la bonne équation, c'est 2 C2H6 plus 7O2 donne 4 CO2 plus 6H2O. Si on regarde ce qui était marqué hein, de ce côté-là, il y avait une erreur, c'était le 6O2, puisqu'en fait c'était 7 et pas 6. Le reste était correct. Bon, j'espère que ça va pour celle-ci. On continue. Donc j'efface tout et on va passer à la suivante. Donc la suivante, c'est... Hop, je la décale. Voilà. 7, 7, 7, C7, pardon, H8 plus 9O2 donne 14 CO2 plus 8H2O. Donc où est l'erreur? Donc là encore, j'ai réécrit les réactifs et les produits sans les coefficients. Puis on va regarder. Alors, on a C. Alors, c'est encore une combustion, hein, donc, à force, hein, vous allez savoir les faire. Hydrogène, oxygène. De l'autre côté, les mêmes éléments chimiques, carbone, hydrogène et oxygène. Alors on y va, on a 7 carbones ici et un carbone à droite. Hydrogène, on en a 8. Ici, on en a 2. Oxygène, on en a 2 pour l'instant. Ici, on en a 2, attention, plus 1, 3. Alors on y va. Alors on voit tout de suite, hein, ça n'est pas équilibré, donc on va ajuster tout ce qu'il faut. Alors, pour le carbone, on commence. On en a 7 à gauche, 1 à droite. Par combien multiplier donc CO2 pour pouvoir en avoir 7, bah évidemment, par 7. Donc du coup, 7 CO2 ici. Ensuite, pour l'hydrogène, on en a 8 à gauche, 2 à droite. Par combien multiplier H2O ici pour en avoir 8? Bah ça sera 2 fois 4. Donc coefficient 4. Mais alors attention, ah oui, alors je vais le faire en une fois. Ici, en mettant un 7 devant CO2 et un 4 devant H2O, j'ai changé le nombre d'oxygène. Attention, ici, ça va faire 2 fois 7, 14 oxygènes plus 4 oxygènes. Donc 14 plus 4, ça fait 18 oxygènes. Donc on va se demander par combien multiplier O2 ici pour pouvoir avoir 18. Bah, c'est le coefficient 9. Donc ici, on aura 9O2. Donc la bonne équation, ça serait C7H8 plus 9O2 donne 7 CO2 plus 4H2O. Alors là, c'était quoi les erreurs? Il n'y avait pas de 2 ici, il y avait un 9 ici, il y avait un 7 ici et il y avait un 4 ici. Donc il y avait quand même pas mal d'erreurs. On continue. Voilà. Hop. Alors, on continue avec la suivante, qui est ici. Alors, Fe3 plus I- donne Fe2 plus I2. Alors, quels sont les éléments chimiques? Attention, il y aura des charges ici. Le fer et l'iode. Les charges, on verra en dernier. De l'autre côté, les mêmes, sinon il y a un problème. Fe et I. Alors, combien de fer à gauche? Attention, 3 plus c'est la charge. Il n'y a qu'un élément fer ici, 1. De l'autre côté, un seul, 2 plus étant la charge. Pour l'iode, ici j'en ai 1, ici j'en ai 2. Donc pour le fer, pour l'élément fer, il n'y a pas de problème pour l'instant. Le problème va être pour l'iode. À gauche, j'en ai 1, à droite, j'en ai 2. Par combien multiplier I moins pour en avoir 2? Ben, on va multiplier par 2. Donc ça va me faire 2i moins. Au niveau des éléments chimiques, on est bon. On vérifie pour les charges électriques maintenant, puisque là, il y a des charges. Donc, ici, dans les réactifs, on a quoi? On a 3 plus, plus, attention, il y a 2i moins, donc ça fait 2 moins. 3 plus 2 moins, on est à une charge de plus. Du côté des produits, on a 2 plus rien. Donc ici, on a deux charges de plus. Donc là, il y a un problème de charge. Donc ça veut dire qu'il va falloir modifier les coefficients pour réussir à avoir
la même chose des deux côtés. Et en plus, il faut que les éléments restent conservés. Alors, le mieux, là, il faut y aller à tâtons un petit peu, mais c'est de ne pas toucher à l'iode. Alors, pourquoi? Parce que là, on en a deux. Là, on en a deux. Et si on modifie, par exemple, le coefficient sur le i-, on va être obligé de le modifier ici. Et ça ne changera, si je modifie sur i-, que les charges moins de ce côté-là, c'est-à-dire que i2 est neutre. Donc, du coup, je ne changerai pas les charges. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, je vais encore changer de couleur. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je mets un 2 devant Fe3+, bah, ça veut dire que, du coup, j'ai 2 Fe. D'accord? Donc, il faut évidemment modifier pour avoir le même nombre d'éléments fer de l'autre côté. Donc, ça serait pareil. Pour en avoir 2, on multiplierait par 2. Donc là, au niveau des éléments chimiques, ça irait, puisque je mets 2 devant les 2 Fe. Au niveau des charges, du coup, ça serait maintenant 2 fois 3 plus, donc 6 plus, plus 2 moins. Donc là, je serais à 4 plus. Et de l'autre côté, 2 fois 2 plus, je serais à 4 plus. Donc là, ça marche. Alors, dans ce genre de choses, il n'y a pas trop de règles, hein. C'est-à-dire que là, il va falloir essayer de trouver la bonne combinaison en respectant la conservation des éléments chimiques et des charges. C'est ça qui est dur. Il faut que les deux soient respectés. On continue. Alors, la suivante. Hop. Donc celui-là, j'enlève aussi. Donc la dernière, avec un élément chimique que vous ne connaissez pas forcément, qui s'appelle l'étain. SN, son symbole. Alors, donc élément, on a étain et fer. De l'autre côté, étain et fer. Attention, encore des charges. Alors, on y va pour équilibrer. Combien d'étain ici? Attention, 2 plus, c'est la charge. On a un seul élément étain. Et pareil pour le fer, on n'en a qu'un. Pour SN ici, j'en ai qu'un. Pour Fe, j'en ai qu'un. Donc là, ce serait respecté. Qu'est-ce qui se passe au niveau des charges? Alors, ici j'ai 2 plus, ici j'ai 3 plus, donc on est à 3 plus 2, 5 plus. Ici j'ai 4 plus, ici j'ai 2 plus, donc ça me fait 6 plus. Eh ben oui, alors les éléments chimiques ça va, mais les charges ça va pas. Donc il va falloir rajouter des coefficients pour changer les charges, mais aussi pour conserver les charges, mais également les éléments chimiques. Donc attention, là ça marche par deux, étain, étain. C'est-à-dire que si je mets un 2 devant SN2+, il faudra que je mette un 2 devant SN4+, pour l'étain. Donc il faut voir si ça marche. Pareil, si je mets un 2 devant Fe3+, il faudra mettre un 2 devant Fe2+. Donc là, il faut tester un petit peu tout ce qui pourrait marcher avec les charges. Donc il faut qu'on ait le même nombre de charges des deux côtés. Donc si par exemple, je multiplie SN par 2 ici, ça me ferait 2 fois 2, 4 plus, 4, 5, 6, 7 plus. Mais du coup, il faudrait multiplier SN par 2 ici. Donc ça ferait 2 fois 4, 8 plus, plus 2 plus. Donc ça ne va pas. Alors a priori, il semblerait plus logique d'essayer de jouer avec le fer. Pourquoi? Parce que bah, si par exemple, je mets un 2 devant Fe3 plus, j'arrive à 2 fer. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je mette un 2 devant Fe2 plus pour également arriver à 2 fer. Au niveau des charges, on est à 2 plus, plus 2 fois 3, 6. Ça fait 6, 7, 8 plus. D'accord? Et là, j'ai 4 plus, plus 2 fois 2, 8 plus. Et donc là, ça marche. Alors ça, c'est le genre d'équation qui est assez casse-pied parce qu'il faut bah, y aller à tâtons, chercher, avoir un peu d'intuition. Ce n'est pas forcément évident. Mais là, on voyait que si on jouait sur l'étain, donc sur SN, à chaque fois on multipliait 4 plus. Donc on n'aurait jamais pu réussir à s'en sortir. Alors, chose que je vais dire là très importante, c'est qu'il faut absolument que les coefficients qui soient devant soient les plus petits possibles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, par exemple, si j'avais mis 2 plus 4 plus donne 2 plus 4, ça aurait marché aussi. Mais ce n'est pas les coefficients les plus petits. Donc il faut absolument que les coefficients soient les plus petits possibles. Alors, on termine avec les deux derniers exercices en rapport avec les effets thermiques. Alors, on vous dit à 25 degrés,
Du fer en poudre réagit avec une solution aqueuse d'acide chlorhydrique concentré. Lorsqu'on touche le tube à essai, celui-ci est chaud. Alors vous voyez sur la photo, hein, ça fait un beau dégagement gazeux. Alors il se trouve aussi hein, que cette transformation, vous allez voir dans un TP qu'on va faire virtuellement bientôt, il y a un dégagement gazeux, il faudra essayer de trouver quel est le gaz qui se dégage. Donc comment évolue la température du tube à essai? Bah, si celui-ci devient chaud, ça veut dire que quand on touche c'est chaud, ça veut dire que la température du tube à essai, elle, augmente. Le système chimique libère-t-il ou reçoit-il de l'énergie? Le système chimique, ici, bah, ça chauffe, ça veut dire qu'il dégage de l'énergie, de la chaleur vers le milieu extérieur. Donc ça veut dire qu'il libère de l'énergie vers le milieu extérieur sous forme de chaleur. C'est-à-dire que c'est la température augmente, on a de la chaleur libérée vers le milieu extérieur. En déduire s'il s'agit d'une transformation endo ou exothermique, bah, si on a libération de chaleur d'énergie vers le milieu extérieur, on dit que c'est une transformation exo pour vers l'extérieur, exothermique. On continue le dernier exercice que je vous proposais. La réaction entre l'hydroxyde de barium et le thiocyanate d'ammonium est endothermique. Le système chimique libère-t-il ou reçoit-il de l'énergie? Bah, endothermique, ça veut dire quoi? Bah, c'est la définition d'une transformation endothermique. C'est une transformation qui reçoit de l'énergie du milieu extérieur. C'est-à-dire que la température va diminuer. Et on a de l'énergie qui est reçue du milieu extérieur pour que la transformation se fasse. Et comment évolue la température du milieu extérieur? Bah, la température va diminuer puisque ce milieu extérieur va donner de l'énergie. D'accord? Donc la température diminue. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Bon courage à tous!